Je trouve que c'est bien parce que ça parle des choses dans la réalité. Ça se passe en Belgique, mais ça se passe aussi en France. Peut-être qu'il faudrait tendre la main à ces gens aussi, essayer de les comprendre. Et aussi, c'est un film des frères Dardenne. C'est un sacré film quand même, hein? Hello Melty, nous sommes à Cannes. Je m'appelle Pablo, j'ai 13 ans. Je m'appelle Joëlie, j'ai 17 ans. Et je suis Lokita dans le nouveau film des frères Dardenne. C'est un film de deux exilés qui fuient leur pays pour multiples raisons et qui se rencontrent sur le chemin pour aller vers l'Europe. Ils ont quand même un lien parce qu'ils n'ont plus personne d'autre. Et à partir de leur amitié, il va se passer toute une histoire. Moi, je joue Tori. Moi, je joue Lokita. Elle est assez maternelle envers Tori. Je décrirais Lokita comme une battante. On sent la tristesse en fait en elle. Elle ne vit pas vraiment sa vie, mais elle subit en fait la vie et tout ce qui lui tombe dessus. Puis t'as Tori qui ramène aussi un peu de la joie dans le film en étant là pour Lokita. C'est ce qui me faisait tenir en fait de savoir qu'il n'y a pas que du négatif aussi dans le film parce qu'elle a quelqu'un. Moi, ils sont venus me trouver à l'école. Mon directeur est venu trouver moi et quelques amis à moi. Et il nous a dit, il y a deux personnes qui cherchent un petit garçon noir de peau pour jouer dans un film. Et donc, j'ai dit pourquoi pas. Ces personnes-là ont contacté mes parents. Et de là, je suis allée faire les castings et tout s'est très bien passé. Pour moi, c'est une histoire assez simple et compliquée à la fois. Ça a commencé il y a 3 ans, quand j'ai rencontré une fille, donc une jeune réalisatrice. On s'est rencontrés dans la rue et elle avait besoin d'aide pour son court-métrage. Elle avait besoin d'acteurs et du coup, j'ai dit que oui, je veux t'aider. Puis pendant 3 ans, j'ai cherché partout, envoyé des mails, envoyé chercher des castings en ligne. J'ai rien trouvé. On m'a pas répondu. Et puis elle a trouvé le casting par hasard et elle m'a dit de foncer. C'est ce que j'ai fait et j'ai eu le rôle. Moi, je suis très jeune encore, j'ai que 13 ans. Du coup, ils sont beaucoup adaptés par rapport à moi. Quand on tournait les scènes, même si je devais le faire plus de 20 fois, je le faisais quand même. Mais pour pas que ça me dérange ou quoi, de temps en temps, on faisait des pauses où je jouais au foot, etc., où je m'amusais. Moi, ça a été un mois de répétition avant de commencer le tournage du film. Donc, ça a été beaucoup d'aller sur le plateau pour reproduire les scènes avec la caméra, pour trouver le rythme. C'était comme une chorégraphie, c'était bien pour pouvoir rentrer dans l'esprit et dans le jeu. C'est ce qui m'a aidé à pouvoir interpréter Lokita à la merveille. Je trouve que c'est bien parce que ça parle des choses dans la réalité. Il faut changer les choses qui sont mauvaises parce qu'on ne va pas se cacher que dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont injustes. Et je trouve que ce serait bien d'avancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est mieux de faire comme ça ou comme ça, mais il faut avoir la vie globale des gens. Moi, je conseille les gens d'aller le voir aussi parce que ça cultive. Juste le fait de savoir que ça se passe comme ça, ça te donne le pouvoir de pouvoir changer les choses. Ça devrait toucher un public assez large parce que les choses doivent changer, parce que ça se passe en Belgique, mais ça se passe aussi en France. Il y a de la maltraitance physique, mais il y a aussi de la maltraitance mentale aussi dedans. Peut-être qu'il faudrait tendre la main à ces gens aussi, essayer de les comprendre. Et aussi, c'est un film des frères Dardenne. C'est un sacré film quand même, hein ?